Bon bah allez viens Lali, tu vas pas passer la nuit dans le couloir. Non, il est hors de question que je rentre dans cette chambre toute vide sans Johanna. Oh, bah t'inquiète pas. Elle nous a laissé deux ou trois souvenirs hein, pour que la chambre ne soit pas vide. Comment ça? Bah entre et regarde. Oh, le Capharnaüm, c'est pas possible, comment est-ce qu'elle a fait ça? À mon avis, c'est quand elle est remontée pour enlever deux ou trois trucs de sa valise. Tu sais, quand on l'attendait en bas, juste avant d'aller à l'aéroport. Ah bah oui, bah, remarque, comme ça, au moins, elle nous aura laissé quelques souvenirs. Ouais, et puis comme ça, on a l'impression qu'elle est encore un peu avec nous. Ouais. Tu sais, Hélène, vraiment, ça me fait peur. Dire qu'hier, tout allait bien. Sébastien était sorti de l'hôpital, Johanna était en pleine forme. Et crac, un coup de fil, et tout a basculé. Bah ouais, mais c'est la vie, ça. On peut pas aller contre la maladie. Fallait bien qu'elle rentre au Texas pour s'occuper de sa mère, quand même. Mais oui, mais c'est vraiment trop injuste. Pourquoi? Est-ce que sa mère est tombée malade juste à ce moment-là? Eh ben, parce que c'est comme ça. Enfin, on n'a plus qu'à espérer que tout se passe bien, qu'elle revienne vite, hein? Ouais, surtout que on a vraiment intérêt à ce qu'elle revienne vite. N'oublie pas que... on lui a promis de s'occuper de son monstre. Ouais, j'avais oublié ça. Les travaux d'Hercule à côté, c'était du gâteau. Marc, il est mignon, le petit Christian. Hein? Bah, Lali, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, rien. Tu le trouves pas mignon, toi? Ah si, mais... T'as jamais remarqué? Ses grands yeux de chat, hein? Sa petite bouche de bébé. Oh, il est vraiment craquant. T'es sûr que ça va, toi? Tu sais, Hélène, si Johanna n'avait pas été là, je ne suis pas sûre que j'aurais choisi Sébastien. Bof. Oh, ça va, tu me fais marcher. Toi, t'as couru. T'as vraiment cru que j'étais tombée amoureuse de Christian? Ah bah oui, tiens, pendant 30 secondes, j'y ai cru. T'es vraiment une bonne comédienne, toi. Ouais, mais c'est un véritable rôle de composition. Mais tu sais, Hélène, il faut que je te dise, je suis vraiment très heureuse. Depuis que Sébastien est sorti de l'hôpital, j'ai l'impression qu'il n'existe aucun autre garçon. Ah bon, parce qu'il existe d'autres garçons. Je croyais qu'avec Nicolas, moi. Et dis-moi, t'as pas trouvé ça bizarre, hier? Tu sais, que Christian passe sa soirée avec Thérèse juste après avoir accompagné Johanna à l'aéroport. Si, bien sûr. Au début, ça m'a choquée, et puis... finalement, je me suis dit qu'il valait mieux qu'il change les idées avec cette fille, tu vois. Sinon, elle a encore fait une déprime, tu connais Christian. Ouais, ouais, effectivement, ouais, vu sous cet angle-là, t'as peut-être raison. Bon, mademoiselle Lali, se ranger un petit peu avant de se coucher. Ben, oui, mais par où commencer? Ben, je sais pas, tiens, au hasard. On pourrait dire que toi, tu ramasses tout ce qui traîne, les t-shirts, les pulls, tout ça. Puis moi, je vais dans la salle de bain voir si elle a pas oublié sa brosse à dents. Tiens, prends ça. Je commence à ranger ça dans le placard de Johanna et puis après pour la brosse à dents, on verra. Hmm? Ouais, bah j'aurais toujours essayé. Oh tiens, regarde. Elle a oublié sa chemise préférée. Ah ouais. Bah, c'est bizarre ça, je trouve qu'une basket. Où elle a pu mettre l'autre? Bah, regarde sur le lit. Hmm. Lali, qu'est-ce qu'il y a? Et regarde ce que j'ai trouvé, son passeport. Oh. Tu sais quoi, Hélène? Je te parie que 5 minutes après qu'on se soit mis au lit, le téléphone va sonner et Johanna va nous demander en suppliant qu'on vienne la chercher au poste de police de l'aéroport. Ah bah je veux dire, ça fait du bien de se retrouver ici. Quand je pense qu'on va pouvoir rejouer de la musique, c'est ce qui m'a manqué le plus. Quoi? Nous, la musique? Les deux. De toute façon, ça va ensemble, non? Eh mais qu'est-ce que tu crois, nous aussi, ça nous a manqué, hein? Et puis depuis le temps que j'attends ce moment... Ouais, je sens que ça va bien tourner, ça va être super. J'espère que j'ai pas perdu trop de technique. Plus en tout cas. C'est pas quelques semaines des farientes qui auront raison d'un musicien comme toi, mon cher Sébastien. Ouais, enfin, j'espère. De toute façon, essayez d'être indulgent. Hein. Me jeter pas dès le premier jour. Promis. De toute façon, t'auras une seconde chance. Au tirage. Au grattage. Au grattage. Écoute, j'essaierai de la saisir. Hein. Ah ben.
Ça va? Tu tiens le coup, là? Bah écoute, José, je vais te dire un truc. J'ai l'impression d'avoir des ailes dans le dos, j'ai hâte de commencer. Hein? Ouais, bah nous aussi. Dès que Monsieur d'Amour aura pris la peine de passer cette porte. Monsieur d'Amour, c'est marrant, ça. Ouais, ce qui est encore plus marrant, c'est qu'il arrive à l'heure. Et remarquez, j'ai une super boîte à rythme sur mon synthé. Ah. Bah, j'imagine, ça tâte si longtemps. Ouais, bah ce serait pas plus mal, hein. Ça lui donnerait une bonne leçon. Bon, écoute, Nicolas, pour une fois, on va essayer d'être indulgent, passer l'éponge. Johanna est parti hier, je pense qu'il doit pas être tout à fait dans son assiette. Ouais, hein? Ouais, c'est bien la dernière fois. Salut, les fleurs. Salut. T'as toujours envie de passer l'éponge? Ça va, les copains? La pêche? Bah, pas mal, depuis 2 heures qu'on est ici. Hein. Salut, Thérèse. Ah, ouais. Ça, c'est parce que je suis en retard, c'est ça? Non, ça, c'est juste une impression. Hein. Sébastien. Salut. Dis-moi, Thérèse, tu n'es pas obligée de leur faire la bise. Tu peux leur dire salut et puis c'est bon. Je peux te poser une question. Tu viens ici pour répéter ou juste pour nous dire bonjour en touriste? Bon, allez, arrête d'être jaloux, ça va. T'as le droit de leur faire la bise à partir d'aujourd'hui. Ah, ben nous voilà soulagés. Allez, on répète. Il me tarde de voir ce que donne ce super bassiste. J'espère que tu vas pas être déçu. Bah, y a pas intérêt, hein. Devant les yeux d'une superbe jeune fille comme Thérèse. Attends. Thérèse, reste pour la répétition. Tu vois, Christian, ça les dérange? Mais non, pas du tout, au contraire. Ils adorent frimer devant les jeunes filles. Ça va, Sébastien, on peut y aller? C'est quand vous voulez. Allez. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est Johanna. Vous avez déjà de ces nouvelles? Ouais, on a raccroché il y a 2 minutes. Hey, vous pouvez me dire ce que vous fait rire, comme ça au moins je pourrais en profiter. Mais écoute, Johanna a encore frappé très fort. Imagine-toi qu'on a trouvé son passeport sous le lit dans la chambre. Non. Mais elle a pas pu partir alors. Si, si, elle est même arrivée, elle nous a appelé d'Houston. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour embarquer à Roissy? Bah écoute, comme d'habitude, elle a amené tout le monde à la baguette. Avec son charme. Ouais, heureusement que la plupart des douaniers sont des hommes. Hein. Vous êtes en train de me dire qu'elle a réussi à attendrir les policiers en leur faisant du charme? Oui, enfin, presque. Bon, elle nous a dit qu'en arrivant au contrôle de Roissy, quand elle s'est aperçue qu'elle avait oublié son passeport, elle a présenté son permis de conduire en regardant le contrôleur droit dans les yeux. Oui, alors elle lui aurait dit comme ça, « Écoutez, monsieur, voilà, mon passeport est dans la valise et la valise est dans l'avion. Alors vous qui avez l'air si intelligent, dites-moi ce que je dois faire. » Et ça a marché? Ben oui, figure-toi qu'ils l'ont laissé passer. Oh non, je rêve. N'importe qui aurait fait ça, il se serait fait arrêter. Il y a vraiment de la chance que pour les canailles. Ouais, bah imagine-toi que la petite canaille arrivée à Houston, elle a carrément changé de tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Apparemment, les contrôleurs américains sont moins sensibles au charme féminin que les Français. Ils l'ont coincé 3 heures à l'immigration et voulaient la remettre dans le premier avion. C'est pas vrai. Mais je l'imagine, elle devait être dans un état. Mais comment ça s'est terminé? Bah heureusement pour elle, son oncle milliardaire a des relations un peu partout. Donc si tu veux, il connaît très bien le shérif de Houston. Et puis ça s'est arrangé comme ça, ils l'ont laissé entrer. Ouais, de toute façon, il fallait que ça s'arrange. Est-ce que tu connais quelqu'un capable de supporter Johanna de mauvaise humeur plus de 3 heures? Ah ça, t'as raison. Donc finalement, peut-être que son oncle n'avait même pas à faire intervenir ses relations. Et comme dans toutes les super productions hollywoodiennes, les aventures de Johanna se sont encore bien terminées. Oh bah ça, tant mieux. Et sa mère, vous avez de ses nouvelles? Elle va mieux? Bah ouais, il paraît que c'est pas si grave que ça en fait. Elle doit se faire opérer dans 10 jours. Oh bah ça, c'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'elle vous a raconté d'autre? Oh bah, tu t'en doutes? Elle a pas arrêté de nous demander de bien s'occuper de son cri-cri d'amour. Ah là là, les catastrophes vont commencer. Mais non, c'est rien. Regarde, il doit faire quoi? 1m75? Ça nous fait même pas 60 cm chacune. Ah, voilà nos bons vents. Ah, pourquoi tu vois quelqu'un à côté de Sébastien, toi? Oh, moi, je vois que vous allez lire trouver son sens de l'humour. Bonjour. Salut. Salut, ça va?
Les filles, je vous le dis, comme je le pense, l'attitude de Christian est dégoûtante. Ouais, dégoûtante, le mot est faible, hein. Tu veux dire répugnante, immonde, mais je sais pas ce qu'il lui prend. Ouais. De toute évidence, ce garçon n'est pas fait comme tout le monde. Mais enfin, Bénédicte, pas besoin d'être fait comme tout le monde pour avoir un minimum de cœur et d'honnêteté. Il est nul. S'afficher avec Thérèse le lendemain du départ de Johanna, c'est nul. Ouais, mais je comprends pas. Quand Johanna l'a quitté, il était au bord du gouffre. Et là? Bah, et là, simplement, c'est pas pareil. Elle ne l'a pas quitté, elle est partie soigner sa mère. Alors le petit orgueil de coq de monsieur n'est pas atteint. Il en profite. Ouais. Bah, il a la mémoire courte, hein. Ouais. Ben, tu vois, j'aurais bien envie de lui remettre en place sa mémoire. Bon courage, parce que alors tu sais, ben on est comme il est. Ouais, mais bon, faut faire quelque chose, on nous l'a promis à Johanna. Pauvre Johanna, sa place est encore chaude et Christian se vautre déjà dans les bras de Thérèse. Tiens, voilà les garçons. Salut. Alors, vous avez vu l'entrée fracassante de Christian? C'était réussi, non? Hein? Ouais, ça nous a fait mal au cœur. Mais enfin, Nicolas, qu'est-ce qu'il lui prend? Je sais pas, moi-même, parfois, je le comprends pas. Bon, écoutez, attendez, il va peut-être retourner dans le bon chemin. Il se souvient où la dernière fois. Je ne parle pas de malheur, Sébastien. J'espère qu'il ne va pas nous faire revivre le même cauchemar. Non. Hein? Alors, ça, t'inquiète pas, je compte sur lui pour nous en inventer un autre. Mais attendez, vous croyez qu'il est vraiment amoureux de cette fille? Va savoir. C'est avec lui. Ouais, c'est difficile. Mais il est où, là? Au cinéma. Monsieur a invité Thérèse à aller voir un film. Ouais, et on a dû abréger la répète pour ne pas qu'il rate la séance. Ouais, ben, apparemment, il l'en rate. Salut! Oh là là, vous en faites une tête, vous, hein? Faut arrêter le sport, hein, c'est pas bon pour ce que vous avez, je crois. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je te croyais au cinéma. Bah oui, bah c'est à cause de José. Il a tenu absolument à revoir un plan sur le morceau. On a loupé la séance. Je suis vraiment désolé, Christian. Ne fais pas, José. On ira une prochaine fois. Oui, my love. Ça vous fait plaisir de nous voir, hein? On s'est dit, on va leur dire bonjour. C'est cool, non? Ouais, c'est sympa, hein? Bon, ben, on continue à faire du sport ou alors on va boire un verre à la cafette? Je vous invite. Royal. Ouais, ben pour moi, ce sera ni l'un ni l'autre. Je suis fatiguée, je vais me changer et rentrer. Attends-moi, Lali, je vais avec toi. Excusez-nous. Hein. Ouais, ben moi aussi. Une bonne douche me fera le plus grand bien. Ok, ouais. On y va, les copains? Non, j'ai des cours à réviser. Oula, lui, il révise maintenant. Ouf. Seb. Je suis désolé, Christian, je crois qu'il vaut mieux que je travaille mes gammes. Sinon, vous allez me jeter du garage demain. Ouais. Bon, ben, ça sera pour une autre fois, hein, José. Une autre fois, ouais. C'est ça. Ah, c'est cool. Je sais pas en quoi ça vous regarde, ça, hein. Je fais ce que je veux. Ouais, bien sûr. Simplement, regarde où ça t'a amené la dernière fois que t'as fait ce que tu voulais. Ouais. Oh là là, ça y est, lui commence à me faire la morale. Ok, la dernière fois, c'était une erreur. On n'en parle plus de ça. Non, bah fais attention, Christian, parce qu'à propos d'erreur, t'es peut-être en plein dedans, là, tu vois. Attends, c'est de Thérèse dont tu parles? Bah oui. Alors, si tu trouves que Thérèse est une erreur, je sais pas, moi, mais achète-toi des lunettes. Hein. Sur ce plan-là, Christian, réfléchis. Pense à Johanna. Johanna, ouais. Bah, Johanna, je suis pas marié avec elle, ça, vous le savez, non? Oui, peut-être bien, mais enfin, tu nous as quand même dit que tu l'aimais. Alors, nous, forcément, t'as cru. Oui, je l'aime. Je l'aime, mais je veux profiter de ma vie. Hein, c'est pas à 70 ans que je pourrais faire la fête. Enfin, faudra savoir ce que tu veux. Tu prétends aimer Johanna et tu passes le plus clair de ton temps avec Thérèse. Ah oui, bah, Johanna, elle est pas là en ce moment. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je reste cloîtré dans cette chambre? Super, hein. Allongé sur mon lit à contempler le plafond. Oh, il est beau le plafond. Bon, ouais, ça, c'est des fausses excuses. De toute façon, t'as tort. Ouais, j'ai tort. Et qu'est-ce qui te dit que toi, tu as raison? Excuse-moi, Nicolas, mais moi, j'ai décidé de prendre la vie du bon côté, tu vois. Ah ouais. Prendre la vie du bon côté, pour toi, ça veut dire te coller avec une fille des Johanna le dos tourné, c'est ça? Cette fille, comme tu dis, s'appelle Thérèse, Sébastien. Et je l'ai connue avant Johanna. Ah oui, et c'est ce qui te donne le droit de tromper Johanna avec elle? Oui, complètement. Je suis en train de revivre mon premier amour. Mais ça, vous pouvez pas le comprendre. Et c'est pas donné à tout le monde. Bon. Alors, admettons que ce soit une crise d'adolescence, quoique un peu retardée. Qu'est-ce que tu comptes faire quand Johanna va revenir? Je sais pas. Mais tu sais, je pars pour principe de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et puis, pour vous finir le fond de ma pensée, je suis contre la monogamie. Bah, c'est vrai, quoi. L'humain ne doit pas se suffire à avoir qu'une seule femme. C'est contre sa biologie. Christian, mais vraiment, qu'est-ce que tu racontes, là? Bah, c'est pourtant simple, regardez. L'instinct de l'être humain lui demande de semer
ces petites graines dans un maximum de pots de fleurs. Pourquoi? Pour faire pousser un maximum de petites fleurs. C'est simple. Vous m'avez ravi, les filles, d'être comparées à des pots de fleurs. Et qu'est-ce que je fais, moi? Je me refuse de me contenter d'un seul pot de fleurs. Bon. Donc là, ça atteint des sommets qui me dépassent. Désolé. On arrête, hein. On continuera cette conversation plus tard. C'est ça, ouais. La vérité, ça dérange. Mais je vais vous dire un truc. L'esprit doit s'élargir. Alors faites attention, hein, parce que le vôtre, il est en train de rétrécir. Allez, va. Salut. Si j'étouffe, alors je vais faire un tour. Hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, Christian. Arrête de t'en faire pour ça. Mais je ne m'en fais pas. De toute façon, j'en ai rien à faire. Tu comprends pas que la réaction de tes amis est normale? Normale? T'aurais vu comment Nicolas m'a traité. Mais enfin, laisse le temps de comprendre. Mais... pour eux, Johanna est leur amie. Ils ont l'impression que tu l'as trahi. C'est ma vie, d'accord? Je fais ce que je veux, non? S'il te plaît, laisse le temps de comprendre. Mais ils peuvent pas comprendre, ils sont incapables de comprendre. Ils sont bornés, ils sont trop étroits dans leur esprit. Ils sont déjà vieux, leur vie est déjà toute tracée. Papa Nicolas, maman Hélène, papy Sébastien, mamie Lali. Voilà. Et ils se permettent de me juger alors qu'ils n'ont rien compris. Mais ils ne te jugent pas. Seulement, ils sont pas à ta place. C'est pour ça qu'ils ne voient pas les choses comme toi. Mais ils peuvent rien voir. Ils ont des œillères de chaque côté des yeux. Et ils mènent leur vie comme des mulets, tu vois. C'est pas bien. Parle pas d'eux comme ça. Ce sont tes amis. Mais t'es de leur côté, c'est ça? Mais vas-y! Christian, calme-toi, s'il te plaît. Excuse-moi. Je suis tellement énervé, Ça va se passer, t'inquiète pas. Ça m'étonnerait que ça se passe, hein. Là, j'ai envie de tout casser en ce moment. Calme-toi. Je sais ce que je vais faire. Je vais quitter la chambre, quitter le groupe. Comme ça, je pourrai mener ma vie et j'aurai plus à les supporter. Voilà. Ça te mènera où? Je sais pas. Mais au moins, ça m'enlèvera le poids que j'ai sur les épaules. Allez, embrasse-moi. Tu verras. Ça ira mieux après. Ouais, je suis d'accord. Ça va mieux? Ouais. Tiens, regarde. Et Nathalie et Canu. Je m'en fiche. Salut, Christian. Salut, Thérèse. Bonjour, Nathalie. Hello, Thérèse. T'es devenue muet, Christian? Y a un problème? Non, non, pas du tout. Moi, ça va. Bah, tant mieux pour toi, hein. Tu sais, Christian, Johanna doit être bien seule en ce moment au Texas. Non seulement t'es pas avec elle, mais en plus, elle a tous les soucis de sa mère. Ça fait beaucoup, tu trouves pas? Je crois qu'elle a vraiment besoin de toi en ce moment, tu sais, Christian. Yes, Christian, elle a raison, hein. Allez, viens. On bouge, on s'appuie ici. Je vous jure, je l'ai jamais vu dans un état pareil. Il est sorti de la cafette comme une furie en traînant Thérèse par le bras. Il est complètement fou. Il était super agressif. Mais oui, Nicolas et Sébastien nous ont appelés pour nous raconter ce qui s'était passé dans leur chambre. C'est pas vraiment mieux. Quoi, qu'est-ce qu'il a encore fait? À peu près la même chose. Il a commencé à parler de monogamie, de petites graines, de pots de fleurs. Et quand Nicolas et Sébastien lui ont dit que peut-être il commettait une erreur, il est devenu comme un fou et il est parti en claquant la porte. Même avec ses copains? Mais oui, plus personne ne peut lui parler. Je déteste quand il est comme ça. Ouais, Johanna qui nous avait fait une liste de ce qu'il avait le droit de manger, des affaires qu'il fallait lui chercher au précis. Oh, la pauvre, si elle savait ça. Oh, mais il est nul, il est nul, il est archi nul. Il comprend rien, il sait pas qu'il est en train de gâcher quelque chose. Il se comporte comme un petit gamin, un pourri gâté. Du moment qu'il a le jouet qu'il veut, il le casse pour aussitôt en avoir un autre. Mm. Salut. Thérèse? Je vous dérange pas? Ben, non, entre. Merci. Bonjour. Salut. Ne me regardez pas comme ça, les filles. Je suis justement venue pour vous parler. Nous parler? Nous parler de quoi? De Christian et toi? Charmante discussion. Allez, je t'en prie. Je suis vraiment embêtée. Ah bon? Embêtée?
Et qu'est-ce qui te tracasse, ma pauvre petite Thérèse? Bon, ben, les filles, on pourrait peut-être la laisser parler. Merci, Hélène. Voilà, je me suis disputée avec Christian. Ah, ben voilà une bonne chose. Tu vois, t'aurais pu nous dire plus tôt que tu venais nous annoncer une bonne nouvelle. Vous me détestez, hein? Mais non, on déteste pas, mais bon... Johanna est notre amie, reconnaît que c'est délicat, quand même. Je sais. Si je me suis disputée avec lui, c'est parce qu'il voulait vous quitter. Nous quitter? Ouais. Vous voulez quitter le groupe. Vous oubliez à jamais. C'était à ce point? Il a toujours été comme ça, vous savez. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est quittés tous les deux. Sur un coup de tête. Et là, j'ai senti exactement dans le même état. Et qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit qu'il était complètement fou, qu'il n'avait plus le sens des vraies valeurs, qu'en aucun cas il avait le droit de traiter ses amis comme ça. Tu lui as dit ça? Ouais. Je voulais pas laisser tout saboter. Ah oui? Mais toi, tu crois pas que tu sabotes un petit peu ce qui se passe entre Johanna et Christian? Tu crois que t'as le droit? Écoute, Lali, moi, Johanna, je la connais pas. C'est pas une amie. Je la trahis pas. Puis j'ai connu Christian avant elle. Mais c'est lui qui a fait son choix. Mais dites-moi, vous avez jamais été amoureuse d'un garçon, vous? Ah si, bien sûr. Vous savez, Christian était mon premier amour. Vous m'en voulez pas trop? Vous me détestez pas trop? Mais non, je te déteste pas. Ça va, c'est l'essentiel alors.